Eh bah salut les enfants, c'est Magic HP. Eh bah écoutez, je crois qu'on avait un boss à buter là qui nous attendait sur le petit Zelda. Donc bah voilà, on est reparti, tout simplement. Hop. Non bah allez, on va pas fouiller, on va tout de suite aller sur le boss, on va être sympa. Finir tout ça. Éclater ses gros deux de pied. C'est vrai que c'est acheter une paire de bras, j'avais pas fait gaffe, effectivement. Merci Ergo. Dans le bas. Genre pas comme ça. Ah ouais. Ah bah oui. C'est vrai que c'est pratique des bras. Ça devrait aller. Ouais, comment ça, j'ai pas visé le bon. Par où je passe? Salopard, par où je passe? Chelou ce boss. Ah,
eu son doigt de pied ou pas là? Celui-là non. Je m'écarte un peu, non même pas, bon allez. Ah là, en pleine mouille. Ah non, je l'avais bien raté sans. Putain, mais où est-ce qu'ils m'ont collé quoi? Bon, pour l'instant tout va bien. Forcément là ça va plus. Ça marche plus. Pourquoi il peut plus tirer? C'est quoi cette arnaque? C'est pas une bonne idée de me caler en dessous. Faire le tour, c'est relou. Et comment ça, hey? Bon, ça c'est fait.
Eh mais attends, mais il marche pas mon overlay manette. Attendez 2 secondes. Ah là, qui est mieux. D'accord, mais il s'est bien amusé, Ergo, en fait, pendant ce temps-là. Pendant que nous on faisait des trucs utiles. Oui, c'est vrai que j'avais 2-3 petites questions. Yeah. Ok, mais c'est pas vraiment une explication, ça, mamie. J'ai cru qu'on allait se faire un Tetris. Bah c'est du sacré matos quand même cette porte. Mm-hmm.
Mais dis pas que t'es tombé amoureux de mamie, toi. Étoiles psychédéliques, c'est sympathique. Alors, visuellement, il y a vraiment plein de bonnes idées dans ce jeu. Ça faisait longtemps que t'attendais là, toi. Hey! Si je fouille un peu d'abord. Il y a habitude. Ouais, bon, ok, d'accord.
bizarre, c'est la réaction d'Impam. Je la reconnais. Pas la première, pas la dernière. Thank you.
Oui, mais visiblement t'étais au courant, si j'ai bien compris. J'étais parti dans le passé, est-ce que je suis revenu juste après de partir? Bref. Simplifier. Ah voilà, je savais bien. Ah, je vois, ouais. Je vois très bien. J'arrête de voir d'ailleurs. Mais effectivement, c'est pas classe, mais c'est du boulot. J'ai rappelé ce qu'il y a que t'as mon respect, mais bon. Mmh.
Et je suis horizontal. Là. Oui, bah c'est flèche quoi, hein? À peu près horizontal. Ah ouais. Hey. Il semblait qu'il y avait 2-3 trucs à récupérer dans le coin quand même. Donc j'y suis, hein. Je crois que j'ai pas pris le meilleur chemin pour revenir. Grave. J'en reparle. Un truc pour s'accrocher, donc quoi? C'est bizarre tout ça quand même. Yeah.
est-ce qu'on passe là-bas? Ouais, allez. Avec un peu de chance, ce sera un quart de cœur. Toi directement. C'est cool. Ouais, bon. C'était pas super, je l'avoue. Je suppose qu'elle doit être près de la statue, normalement, la Triforce. Ça paraît très logique. Voire même tout là-haut. Non, pas tout là-haut, ok. Son padré. Type qui est complètement abandonné là, qui fixe ses étagères toute la journée. J'ai peut-être une idée. Ça va, ils ont pas bougé depuis la dernière fois. T'es sûr, hein? Hey! Une étagère. Ah.
Ça, ça tombe bien. Bien un type, mais... Ah. Effectivement, je pensais pas à celui-là. Faire une étagère quand même, mec. Ça va? Oh là là, tu vas voir, c'est super dur à contrôler. Bien sûr. C'est l'oiseau que j'ai du mal à contrôler, moi, pas le... les coups de boost. Ça va être chaud là pour en faire 4 encore en 30 secondes. Ah, après je me plante de boutons, ça va pas le faire. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu aussi m'en tenir à ceux qui bougent pas. C'est vrai.
Allez, c'est reparti. C'est vrai que c'est plus simple de tuer, hein. Si je vais chez la nuit. Oui, pour celui-là, j'ai toujours pas de solution en fait. C'est bon, j'ai glissé. Genre là, y'a pas un truc? Ben non. Attends, il est où votre cumulonimbus là? Ah oui, non, c'est bon. Pardon, l'île de citrouille. Hop. Qu'est-ce que c'était que tout ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je serai là, mais...
D'accord. Ok. Excusez-moi deux secondes. Continue d'essuyer ses assiettes, hein, pas de professionnel. Et donc toi, tu pouvais rentrer dans le gros nuage. J'ai un vieux souvenir de Zelda, tout premier du nom sur NES. Je sais pas, la première fois que j'y ai joué, je me suis pas dit dans quelques années, j'aurai le même personnage sur un oiseau avec un robot qui a une citrouille dans les mains derrière. Mais bon, hein, c'était il y a pas si longtemps que ça. À peine quelques décennies. L'arc-en-ciel, j'ai. Thank you.
effectivement, je crois voir 2-3 trucs pas cool qu'on poussait dessus là. Perception des distances, tout va bien. Monsieur l'agent. Ah bordel. Oui, bon. Ça veut pas. Quand même, hein. Soit dit en passant. Bordel. Mais j'ai celui que j'ai pas visé. Non, elle est sérieux. Je vois pas où je vais. C'est pas génial là comme Ok, ouh. Ok, c'était censé être la partie simple, c'est ça? Thank you.
c'est que ces trucs? Étrangement, paquet d'autres bestioles. Autant dans les Breath of the Wild que dans Final Fantasy, je dirais. Ce qui, du coup, doit avoir une origine plus mythologique que je ne connais pas, mais...